Le sujet de la condition animale est une des priorités des citoyennes et citoyens européens. Une minute, c'est court, donc j'aimerais me concentrer sur les grands oubliés des politiques de bien-être animal, les animaux aquatiques. Depuis une dizaine d'années, la connaissance scientifique à leur sujet a fait un bond spectaculaire. Aujourd'hui, on sait que les poissons ont des capacités mentales qui n'ont rien à envier à celles des oiseaux et des mammifères. Pourtant, on continue à exhiber et à maltraiter des dauphins et des orques dans les delphinariums. On laisse se développer en Espagne un projet de ferme aquacole de poulpes, alors que ce sont des animaux d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité et qui ne supportent pas la promiscuité. On encourage et on finance massivement le développement d'aquaculture en Europe, avant même d'avoir adopté les règles de protection animale concernant l'élevage, l'abattage et le transport des animaux aquatiques. La Commission ignore totalement la question du bien-être animal dans le secteur de la pêche, alors que des aménagements mineurs permettraient d'éviter des souffrances inutiles. Nous n'entendons pas les poissons crier, mais ils souffrent. Si la Commission n'agit pas, c'est parce qu'il y a un manque de coordination et de leadership politique sur le sujet. C'est pour ça qu'on demande la création d'un commissaire chargé de la condition animale. Merci.